La vidéo d'hier. Donc, voilà. Donc, on avait commencé par la balance et on a vu. Donc, je vais faire un petit rappel vite fait des leçons d'hier. Et la leçon d'aujourd'hui, on va directement commencer par les choses plus sérieuses. D'accord. Donc, ok. Alors, ça, c'est le mixage audio dans la pratique. Déjà, vous qui êtes en train de vous qui êtes connecté, est-ce que vous avez suivi le vous avez suivi le live d'hier? Est-ce que vous avez suivi le cours d'hier? Ok, elle a racheté, a dit pas encore. Ok, donc il y a déjà ok 6 personnes qui nous ont rejoints là. Il n'y a pas de problème, on va avancer, hein, on va avancer. Bon, c'est ça le live, hein, le live nous permet de ah oui, il devra suivi. Josué a dit pas encore. Bon, on va avancer. D'attendre un peu, donc patienter un tout petit peu. On attend les frères et les sœurs qui n'étaient pas là, qui se sont peut-être connectés à l'ancien live. Et puis on va commencer. Donc dans quelques minutes, on commence là. D'accord. Donc là. Ok. Bon, on va vraiment commencer. Que le Seigneur nous aide. On va prier. Seigneur, merci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Tu sais que tout était préparé, Père. Je ne sais pas, toi, tu sais. Merci d'abord pour ce bug, Seigneur. Merci pour toutes choses. Papa, toi-même, tu peux aider mon frère et ma soeur à se connecter, donne l'intelligence, la sagesse, pour que même ceux qui étaient perdus par rapport au lien qu'on avait envoyé avant, Seigneur, qu'ils se retrouvent, qu'ils retrouvent directement ce lien et qu'ils retrouvent directement cette vidéo, papa. Au nom de Yeshua, papa, nous voulons vraiment que tu disposes encore nos cœurs et nos âmes pour apprendre selon toi, pour apprendre pour toi au nom de Yeshua. Amen. Bon, comprenez que ça stresse un peu quand tout était déjà bien prévu et qu'à la dernière minute, YouTube te dit que le direct ne peut pas passer, donc ça peut stresser. Mais bon. Formosa, ah ma soeur Formosa est là. Hello ma soeur Formosa, bienvenue. Donc bon, on va taper. Ok, tu vas rattraper hier, il n'y a pas de problème. Alors, on avait dit le mixage, on avait expliqué le mixage. J'espère que vous avez tout suivi nos cours passés, que le mixage c'était le mélange simplement. On a donné l'exemple de la musique ou bien d'un son comme un gâteau. Comme un gâteau, bien comme du pain qu'on devait faire. Le mélange. Les différents composants, ça sera de l'eau, du sel, de l'huile, de la farine, levure, tout ce que vous voyez, la levure, tout ça. Et après, on doit mélanger ça, mélanger, mélanger, utiliser soit le fouet, soit mélanger, mélanger. Et enfin, ça va donner une pâte bien compacte. Et cette pâte-là, elle est prête. Tu peux manger ça, c'est pas du poison, ça va pas te tuer. Mais sauf que ce n'est pas digne, ce n'est pas bon à la consommation. Donc, c'est ce qu'on a dit, cette pâte-là, le fait de mélanger, c'est ça un mixage. Là, on a un mixage, le fait de mélanger. Après, maintenant, une fois que le mixage est bien fait, une fois qu'on a cette pâte, on va mettre ça dans le four pour que ça prenne maintenant la forme, pour que ça gonfle un tout petit peu, peut-être, pour que ça puisse cuire. Et c'est ça le mastering. C'est simplement ça. Donc, mixer, c'est mélanger les différents composants, et masteriser, c'est mettre en forme plus tard quelque chose qui est déjà en forme. Donc, ça, on l'avait dit. Et on avait vu l'exemple. Donc, pour ceux qui étaient là hier, vous avez vu comment est-ce qu'on avait un peu travaillé. On avait utilisé un projet, une session, et on avait vu comment est-ce que
on peut déjà commencer à avancer dans une session. Alors là, on avait parlé des cinq parties principalement du mixage audio. Ça se divise à cinq parties. D'abord, il y a la balance. Il y a la balance. Après, il y a la panoramique. Après, il y a les effets d'insert, les effets d'envoi. Ne vous laissez pas impressionner par les paroles ou par je ne sais pas quoi, les termes. Non, ne vous laissez pas impressionner par ça. Parce que voilà. Ne vous laissez vraiment pas impressionner par des termes. Alors, hier, on a vu la balance et la panoramique. Et aujourd'hui, on verra encore la balance et la panoramique. Tu vois, il y a Roger Kamba qui est là. Bonjour, Roger. Donc, hier, on a vu la balance et la panoramique. On a dit que la balance, c'était quoi? La balance, c'était simplement... On a dit que la balance, c'était quoi? La balance, c'était simplement le fait de gérer le volume de chacun. Par exemple, comme on a dit dans l'exemple du pain, tu ne vas pas mettre, par exemple, un litre d'eau avec je ne sais pas, quelques grammes de farine. Ça va se diluer dans l'eau, vous voyez. Donc, quelqu'un qui sait un bon boulanger, un bon pâtissier va te dire non, mets tel millilitre d'eau, mets tel dosage de sel, mets tel truc de sucre, mets tel gramme de ceci, mets tel truc. En fait, c'est toujours important. Ça permet à ce que le mélange soit réussi. De la même manière, la balance, on avait vu hier, on avait des fichiers qu'on avait créés, des fichiers que les gens avaient enregistrés sur WhatsApp. Ils avaient envoyé des audios et moi, j'avais enregistré devant vous. On a vu comment il fallait mélanger tout ça là. Parce que quand vous ne mélangez pas bien, ça va sonner très mal. Vous voyez, ça va sonner très mal. Maintenant, on a vu comment mélanger ça, comment gérer chaque volume ici, là-bas. Et c'est ça qui a donné ce qu'on appelle la balance. On a bien balancé. Nous avons expliqué quelque chose de très important hier. Maintenant, aujourd'hui, on va aller un peu dans quelque chose de plus lourd. On va toujours faire ce qu'il y a hier. Avant ça, ce qu'on avait fait hier plutôt. Avant ça, je suis en train de gérer beaucoup de choses à la fois. Et autre chose à la fois. Avant ça, on avait aussi parlé de la panoramique, avant qu'on attaque le truc d'aujourd'hui. La panoramique, c'est simplement savoir gérer l'espace sonore. Parce que normalement, il y a deux types de sons. Il y a des sons qui se jouent en mono. On avait donné un exemple, donc je vais rentrer dans Reaper. Je vais allumer Reaper et vous allez comprendre. Donc là, je vais ouvrir mon Reaper et dans la pratique, vous allez comprendre. Aujourd'hui, on fera quelque chose de très, très, très grand. Alors, j'essaye d'ouvrir un peu le fichier d'hier. Là, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ça ne marche pas, on va directement attaquer le fichier d'aujourd'hui. Adonai RPP. Il y a eu une erreur lors de l'analyse du projet. Bon, ok, ça, c'est pas grave. Bon. On avait expliqué pour ceux qui n'étaient pas là que Reaper se présente comme ça. Ici, vous avez, c'est comme dans une salle, vous avez les musiciens qui chantent, qui sont branchés ici, chacun à son micro, chacun à son instrument, ils sont branchés ici. Et derrière, ici, il y a la table de mixage, ça nous permet de gérer. Vous voyez, ça nous permet de gérer. Par exemple, j'avais dit ceci, je crée une nouvelle piste. La nouvelle piste était là. Si par exemple je vais enregistrer là. Ah, allez, ah, ah. Vous voyez, là j'ai fait un enregistrement. J'ai fini de faire mon enregistrement. Vous allez voir que dès lors que j'ai créé une piste, la piste s'est créée directement là. La piste s'est créée directement là. Donc, si je vais rajouter encore une piste, ça rajoute. Je rajoute encore une piste, ça rajoute. Je rajoute encore une piste. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure que je rajoute des pistes, ça rajoute et ça fait que ça nous donne, nous, à nous ici, sur la table de mixage, ça nous donne une table de mixage qui ressemble vraiment aux vraies tables de mixage dans la salle.
Donc, du coup, ici, nous avons par exemple les musiciens qui sont en train de chanter ou bien les personnes qui sont en train de parler. Ici, comprenez, c'est comme si c'est la salle. Ils sont branchés chacun ici et nous, on les gère à partir d'ici. On gère leur volume. On leur donne des noms, bien sûr. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi, quand je vous avais préparé un mixage, je vous avais dit ne vous laissez, je vous avais parlé plutôt de la table de mixage. Je vous avais dit ne vous laissez pas impressionner par le nombre de boutons, tout ça, non. Les choses peuvent être aussi simples que l'on peut l'imaginer. Donc là, quand ça joue, vous voyez, par exemple, quand ça Allez joue, c'est là, là, j'ai fait c'est un ça qui joue. enregistrement. Vous voyez? Donc c'est notre piste Allez qui joue. Et moi, je là, peux gérer son oui, là, j'ai volume. fait un Vous voyez, par enregistrement. exemple, je peux gérer son volume ici. Donc quand je fais ça, Allez je gère le volume ici. Tout ce Oui, que je là, j'ai fait fais, un enregistrement, les manipulations se font là-bas. OK. Bon. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. On va y aller dans les choses profondes. Donc, on avait dit ça, c'est par rapport à la balance. Donc, on peut balancer quelque chose. Je vais juste rappeler. Je suis en train de faire des rappels vu qu'il y avait des personnes qui avaient manqué hier parce qu'aujourd'hui risque de ne pas comprendre grand-chose. Je vais juste rappeler quelque chose vite fait qu'on avait dit hier. Je vais aller en insérant un objet. Donc là, je viens là où j'avais mis mes choses là. Voilà. J'avais dit par exemple là, on a un son de piano que j'avais demandé à un frère d'enregistrer. Je vais effacer ça. Donc c'est ça. Attendez. Alors, on a un son de piano qui joue ici. Je vous ai dit que ce son de piano, c'est un son. Quand vous l'écoutez, vous écoutez que ça joue sur deux oreilles. Ça, c'est un son stéréo, c'est-à-dire ça joue sur deux oreilles. C'est réparti entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Alors que si je transforme ça en mono, par exemple, vous allez voir, regardez. Vous avez l'impression que c'est venu au centre de votre tête. C'est ça en mono. Mono, ça veut dire, en fait, ça renvoie à 1. Si je le remets en stéréo, écoutez. Vous voyez? Donc là, vous sentez que c'est départi entre les deux oreilles. Et le son est plus spatial. Et du coup, plus beau à écouter. Donc pour ceux qui étaient hier, c'est juste un rappel. Pour ceux qui n'étaient pas hier, vous comprenez le son entre le son stéréo et le son mono. Et la plupart des musiques que nous écoutons, c'est produit en stéréo. Pas en mono. Pas en mono, mais en stéréo. Ça permet de départir les choses. Or, maintenant, dans un mélange de musique, quand nous mélangeons les musiques, par exemple, je prends ici, j'enregistre. À jamais Adonai, pour le tien tu as vaincu le mort Dieu. Par exemple. Donc, vous voyez que ici, il y a ma voix. À jamais Adonai, pour le tien tu. J'enregistre, il y a ma voix. Vous voyez, c'est ça. Tout comme ça peut être une voix qu'on avait enregistrée avec un téléphone, comme on a vu hier sur WhatsApp, vous allez voir ça. Alors, vous voyez que la balance, ça me permet de gérer le volume de ma voix et le volume du piano. Par exemple, là. À jamais Adonai, pour le tien tu as vaincu Là, j'ai augmenté le mon piano. Dieu. Là, j'ai augmenté le piano. À jamais Adonai, Là, j'ai baissé le pour piano. le tien tu Donc, as vaincu le à jamais Adonai, pour le tien tu as. ça permet de donner quelque chose de plus propre. Maintenant, vous voyez que ça, c'est la balance. Maintenant, la panoramique, je peux dire que la voix peut aller à gauche tout comme à droite. Hier, on avait expliqué ça. À jamais Vous voyez, là, ça va Adonai, à pour le l'oreille tien tu as vaincu le mort Dieu. droite. Vous voyez ça?
Donc c'est R. Quand je vais là-bas, oreille gauche. Pour le tien, tu as vaincu. Ça me permet de mettre les choses. Et vous allez voir ici dans la pratique comment est-ce que les choses vont se faire. Donc ça permet de bien mettre les choses en parallèle l'un l'autre, à côté plutôt l'un et l'autre. Et ça permet de faire quelque chose de bon. Donc aujourd'hui, j'avais intitulé pour ceux qui avaient vu le titre. Malheureusement, quand il y a eu le bug, le titre est parti, mais c'est pas grave. On avait dit que aujourd'hui, on va continuer à approfondir ces deux, la balance et la panoramique. Mais on va juste se limiter dans ça. Mais on va voir quelque chose de beaucoup plus fourni. On aura maintenant de la musique qui est très fournie, avec de la batterie, tout ça. Une chose, hier, on a vu quelque chose de très important, au fait, quelque chose de basique. Il n'y avait qu'un autre piano et il y avait quatre voix, je pense. Aujourd'hui, on va rajouter un peu d'autres instruments. Vous voyez ? On va rajouter un peu d'autres instruments pour faire quelque chose de plus propre. Donc, je vais fermer notre Reaper. Donc, moi, je vais rouvrir Reaper et vous allez voir. Alors, ici, je vais dans Insérer fichier média. Un peu comme on ajoute, tout le monde sait comment on ajoute une pièce jointe quand tu veux faire le mail. Donc, c'est la même chose. Insérer fichier média, ça te demande d'aller chercher là où il y a tes fichiers. Donc, du coup, je viens. Aujourd'hui, on va changer de projet. Donc, je vais prendre voix principale. Aujourd'hui, nous avons par exemple un chant où il y a la voix principale. Et il y aura des chœurs, par exemple. Et on va ajouter des instruments au fur et à mesure. Nous avons une voix là. Regardons la voix. Aujourd'hui, c'est vraiment la pratique. Hein? On va être très pratique aujourd'hui. Regardons la voix. Ça, c'est écoutons la voix. Ça, c'est la voix. Gloire à Yeshua l'agneau. Là, vous sentez que c'est une voix. C'est intitulé ici voix principale. Directement, ici aussi, nous avons voix principale dans notre mixeur. Vous voyez, dans notre mixeur, ça s'appelle mixeur. Vous voyez en bas ici, c'est mixeur. Ça s'appelle mixeur, ça s'appelle table, console de mixage ou bien table de mixage. C'est la même chose. Gloire à Yeshua l'agneau. Bonjour Jocelyne, Dieu du Mashiach. Ok. Vous voyez, donc là, on a un chant, une voix. Comme j'avais toujours rappelé, c'est des sons qui peuvent te venir de WhatsApp. Pour ceux qui n'étaient pas hier, tu peux envoyer à une sœur. Par exemple, vous verrez ici, il y a des sœurs qui m'ont envoyé des sons par WhatsApp et je vais rajouter leur voix ici. C'est des voix vraiment de WhatsApp. Vous voyez ? Qui m'ont rajouté sur WhatsApp. Je leur ai envoyé la musique, ils ont écouté. Ils m'ont envoyé des sons par WhatsApp et moi, j'ai enregistré ça dans mon ordinateur. Et voilà. Donc, du coup, on a cette voix. Je vais quand même rajouter des voix. Et plus on rajoute, plus notre table de mixage agrandit. Je vais rajouter, par exemple, je dis, bon, d'accord, je vais faire un rajout ici. On va insérer le piano. Ok, donc là. Gloire à Yeshua l'agneau. Gloire, gloire. Là, vous voyez, on a notre voix, on a le piano. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va ajouter plus d'instruments qu'hier. Parce qu'hier, on n'avait qu'un seul piano, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va ajouter plus d'instruments. J'ai dit, bon, d'accord, je vais rajouter des guitares. Ok? Ça a déjà été enregistré. Je prends. Où sont les guitares ici? Ok, je prends les deux guitares. Voilà, là on a deux guitares. Gloire. On avait dit que une piste quand je mets solo, il le met en solo, c'est-à-dire seul,
il joue seul, ça désactive les autres, et quand je le mets muet, c'est-à-dire il ne joue pas, vous voyez, il est noirci ici, il ne joue pas, voilà. Donc là, on l'avait dit. Donc là, vous voyez déjà. Donc là, on a une guitare. Vous voyez, on a déjà deux guitares qui sont là. Et vous allez voir un peu l'importance du mixage. Donc là, on a déjà une guitare ici. Voilà, nous avons nos guitares à nous. Tout ce que je fais là avec ma souris, ne suivez pas, hein, ne vous laissez pas impressionner, c'est rien. On va voir ça en tout dernier, comment gérer. Donc là, c'est pas grave. Donc nous, on a nos guitares. L'agneau qui a vaincu. Voilà. À part ça, on a quoi encore? Bon. J'ai dit au guitariste de m'ajouter, je dis, bon, ok, mon frère joue une basse. Quelqu'un jouait une basse, je vais rajouter la basse. Par exemple ici, on va rajouter une basse. On dit bon d'accord, je vais rajouter des basses ici. Comme ça, ça me fera quelque chose un peu de bien. Basse, elle est là. Voilà, donc là je fais insérer, je rajoute la basse. Voilà. Gloire, gloire à Yeshua l'agneau. Gloire. Voilà. Vous voyez que là, comme on a une seule voix, ça s'écoute un tout petit peu bien. Et maintenant, vous allez voir, là, maintenant, je vais rajouter tout le monde. Et vous allez voir que ça va donner quelque chose qui ne ressemble pas à grand chose. Vous voyez, vous allez voir que je vais tout prendre. Je supprime tout. Je vais ici. Ça, c'est juste pour prendre tout le monde. Hein. Je vais vraiment prendre tout le monde. Voilà. Ça, c'est tout le projet que j'avais préparé pour vous. Sur des pistes. Ouh, là, vous voyez qu'il a tellement ajouté. Ok, merci Idover, tu nous as écrit, ouais, chapitre 2, balance et panoramique. Merci Idover. Donc ça, c'est ça. Là, plus on rajoute des pistes, c'est comme plus des personnes qui sont en train de jouer ici, plus on a une grosse table de mixage. Regardez ça. Oh là là, ça c'est tout ce monde-là. Ne vous laissez pas impressionner, ce n'est rien du tout. C'est de la même manière que quand on avait une seule piano, on avait une seule piste ici, on avait une seule tranche là, une seule piste ici. De la même manière que puisqu'on en a plus, on en a plein là. Donc j'en ai vraiment plein. Voilà, j'en ai combien? 31. Hier, on a vu, on en avait 5, juste 3 voix. Et voilà, donc juste hier, on avait 4 voix et un piano. Aujourd'hui, on a 31 pistes. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, tu peux recevoir un chant. Si tu joues à la guitare, ou même si tu ne joues pas, tu chantes ça, un frère met une guitare dessus, ou bien une sœur met un piano dessus, tu envoies ça au frère que tu connais. Moi, c'est comme ça que j'ai fait avec ce chant. Les sœurs que vous entendrez faire le chœur ici, je n'étais pas ensemble avec. Il y en a deux, trois qui sont ici en région parisienne. Il y en a une qui est à Rennes, qui n'est même pas en région parisienne. Je leur ai envoyé, ils ont écouté, elles ont enregistré chacun. Elles m'ont envoyé par WhatsApp. D'autres, c'était, je crois, par mail. Et je les ai stockés, c'est comme ça. Vous voyez? Donc là, elles m'ont envoyé. Donc tu peux faire ça au jour d'aujourd'hui sans te déplacer de chez toi. Tu envoies à un frère qui joue à la basse. Et tu dis, non, mon frère, mets-moi un peu la basse. Il te met la basse. Tu envoies un autre, non, tu peux mettre un peu le piano. Il écoute juste avec son téléphone. Il peut enregistrer soit avec son téléphone, soit avec un PC s'il le peut. Et tu peux constituer un grand projet, un vaste projet. C'est comme ça que moi, j'avais constitué cette partie de projet. Donc, voilà. D'autres ont été joués dans un live, mais d'autres chœurs ont été rajoutés après par des personnes. Maintenant, attendez, je vais juste... parce que si je lance ça, ça va vous casser les oreilles tellement qu'ils sont tous à un seul volume, avec un seul volume, à volume haut. Je les sélectionne tous, je les baisse tous, parce que sinon,
Si je lance play, c'est compliqué. Ouais. Je ne sais pas si vous écoutez ça. Donc, quand vous écoutez tout ça, là, admettons que vous avez fait une répétition ou bien tu as enregistré avec les gens. Donc, je prends ça, je mets ça sur WhatsApp, je t'envoie. Ça ne sera pas si agréable. Et pourtant, on parle du Seigneur dans ce chant. Mais ça ne sera pas si agréable parce que ça n'a presque pas de forme. Ça n'a presque pas de forme. Parce qu'on ne sait pas qui fait quand on écoute la basse qui est en bas, le piano qui était là. Et pourtant, il est là. Hein? Mais il est en dessous des voix. On écoute plus les voix, on écoute plus ceci. D'où l'intervention de la balance. Parce que là, c'est comme si tu prends dans ta marmite, tu viens, tu mets beaucoup d'eau, tu mets beaucoup de sel, tu mets beaucoup de sucre, tout ça. Ça donnera quelque chose qui n'a pas un sens et tu ne peux pas faire un bon gâteau avec ça. Vous voyez ça? Donc là, tout est là. Il faut maintenant bien le mixer. En fait, c'est comme si sur ta table, dans ta cuisine plutôt, tu as toutes ces choses-là. Tu as un paquet de sucre, tu as un sac de sel, tu as machin, tu as un petit sac de farine, tu as... Tu ne vas pas utiliser tout ça pour faire un gâteau. Il faut le dosage. En fait, la balance, c'est le dosage. Mais le dosage de quoi? Des niveaux de volume de chacun. C'est vraiment important. Donc, la balance et le dosage. Il faut balancer. Voilà pourquoi même dans la salle, avant de jouer, comme j'avais dit hier, deux fois, on peut nous faire des réglages chacun des instrumentistes. Mais à la fin, vous voyez que avant de commencer, soit une veillée de prière, soit une action, soit je ne sais pas quoi, on dit, ah, on va faire la balance. C'est-à-dire, on vous dit, jouez tous un morceau, on joue tous un morceau. Et l'ingénieur de son, il est en train de gérer le volume de chacun. Parce que si on nous laisse tous à un même volume, ça sera inaudible. On ne va pas bien comprendre. C'est comme ce son-là, il est... il n'a pas de sens. Il n'a pas trop de sens. Je vais nommer ça gloire. Ouais, il n'a pas trop de sens. Vous écoutez la basse en bas, vous écoutez un truc qui fait tchik tchik, vous écoutez, voilà. Bon, maintenant, on va laisser d'abord notre Reaper. On va aller sur Internet. Avant de faire le mixage, par exemple hier, on avait utilisé un piano et des voix. Les voix, vous connaissez. Une voix, c'est un humain. C'était des voix humaines. Un piano, vous connaissez. Vous voyez un peu, il y a des pianos électriques, il y a des pianos acoustiques, tout ça, vous connaissez. Mais si tu veux bien gérer le son, si tu veux juste faire des choses avec une seule guitare, ok, il n'y a pas de problème. Mais le but ici, c'est aller au-delà d'une seule guitare, d'un seul piano, que tu sois à même de gérer, par exemple, tout ce projet. Parce que moi, je vous dis, c'est la même chose que ce qu'on avait fait hier. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de pistes. C'est la même chose. C'est-à-dire, un chant qui a une voix et un piano seulement, et un chant qui a, par exemple, 31 entrées comme ici, des instruments comme des voix, ne vous laissez pas impressionner, mes frères et mes sœurs. Vous voyez? Donc, c'est les principes restent les mêmes. C'est juste ça. C'est une question de principe, c'est tout. Et sur cette chaîne, on va apprendre des principes pour qu'on comprenne les principes. Alors, regardez. Par exemple, vous connaissez tous la batterie, n'est-ce pas? Hein? The drum. Drum, la batterie. La batterie, normalement, toi, s'il faut qu'on t'enregistre, s'il faut qu'on te branche, on va te brancher avec un seul micro parce que tu n'as qu'une seule bouche. Un piano, on peut brancher juste avec un seul câble ou deux, c'est tout. Une guitare, on branche avec un seul câble, c'est comme un seul micro. Mais une batterie n'a pas qu'un seul composant. Normalement, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a normalement 8 composants ou 10, entre 8 et 10 composants. 10 selon d'autres, certains, d'autres 8. D'autres aussi versions, c'est ils illuminent certains composants. Ça donne, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, autour de 7 composants. Ah, Clint, merci. Clint, il est là et il nous dit entre 8 et 11. Merci, Clint, vous voyez. Donc, du coup, d'ailleurs, lui, il est batteur, donc il est mieux placé entre 8 et 11. Du coup, chaque composant est branché sur son câble. Donc, chaque composant représente une piste. Parce que de la même manière que toi, tu es humain, tu es branché. En fait,
y a ton micro qui est seul. Chaque composant aussi doit être branché sur chaque câble. Or, plus on avait dit quoi ? Plus on branche, hier on avait dit plus on branche, quand on branche, c'est une piste. Et ça nous crée une piste ici. Donc du coup, on va se retrouver pour la batterie elle seule, comme le frère a dit ici, c'est 8. C'est 8 pistes. Si c'est 11, on aura 11 pistes à gérer, juste la batterie seule. Après pour la voix, il n'y aura pas de problème. Une seule voix, c'est une seule piste. La basse, il n'y a pas de problème. Une seule basse, c'est une seule piste. Mais par exemple, la percussion, vous voyez que la percussion aussi a beaucoup de composants. Nous avons des tam-tams, certains peuvent l'appeler tam-tam, mais on l'appelle vraiment des congas. Les professionnels, c'est des congas. On a des congas, tam-tam, c'est plus traditionnel, on a des congas. Et on a beaucoup d'accessoires de percussion. Aujourd'hui, j'en ai préparé juste deux. Donc, vous aurez, j'ai mis tam-tam, L. L et R, à chaque fois que vous voyez L et L, c'est comme si je vous avais dit, L c'est left, hein, en anglais ça veut dire gauche. R c'est right, en anglais ça veut dire droite, c'est juste ça, c'est tout. Vous voyez, donc là par exemple, vous voyez que pour la panoramique hier, c'est au centre. Mais si je le mets comme ça, il commence à compter donc de 0 à 100%. Donc tu es à 67% L, ça dit 67% à gauche. Par exemple, je prends cette guitare là. Je vais prendre cette guitare-là, par exemple. Je vais jouer à cette guitare-là. Vous voyez ? Là, il est au centre. Si je veux l'amener à gauche, il va à gauche. Plus je l'amène, plus il s'éloigne. Plus il va complètement à gauche. Au départ, il n'est pas complètement à gauche. Au départ, il est à 18% à gauche. Mais le pourcentage qui reste, il joue aussi un peu à droite. Et plutôt à droite, le pourcentage qui reste, il joue un peu à gauche. Et plus je vais y aller, plus je vais y aller, plus. Là, il est complètement à droite. Quand je vais là, il est complètement à gauche. C'est ça ce qu'on avait dit, la panoramique. Vous voyez ? C'est ça la panoramique, le pan. Donc, balance et panoramique. Alors, on va aller sur Internet. Donc là, on va aller maintenant sur Internet. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a. Ah, Omad a dit, on entend bien la différence. Oui, merci mon frère. Mais c'est ça, en fait, c'est ça parmi les clés. Parce que l'une des clés du mixage, c'est la balance et la panoramique. Pour ceux qui étaient hier, ils ont vu, ils ont senti la différence. Et vous qui êtes là aujourd'hui, vous allez sentir la différence. Quand la balance, elle est bien faite, la panoramique est bien faite, déjà, vous avez gagné une grande partie, je peux dire plus de 50% de votre mixage. Effectivement, il y aura des effets qui vont donner à chaque chose et il y aura le maquillage de la fin. Comme j'avais dit, un peu de piment, là, vous allez créer des groupes, vous allez éditer. Ça, c'est vraiment vers la fin. Quand on verra ça, vous serez déjà presque vous tous ingénieurs de son audio numérique quand on commencera à faire ça. Je vais vraiment aller mollo avec vous. Mais là, vous voyez déjà la balance et la panoramique. Donc aujourd'hui, on voit uniquement la balance et la panoramique. Alors, on va aller sur Internet, vous allez voir à quoi ressemble une batterie. Je vais mettre drum. Drum, on va aller sur Google Images. Google Images, voilà. Une batterie, elle est là. Vous voyez ? Par exemple, là, la Roland, là. Une batterie, elle est là. Donc, quand vous voyez, par exemple, une batterie, ça, c'est une batterie Roland, par exemple. Ça nous donne une batterie, l'exemple d'une batterie Roland. La batterie Roland, elle est là. Ouh là là. Vous voyez, ça, tout ça, c'est ce sont les composants de la batterie. Donc, chaque composant, il faut connaître ça. C'est très important. Parce que tu ne connais pas le composant d'une batterie, c'est compliqué. Vous voyez ça? Il faut connaître ça. Important. Voilà. Très, très, très important. Il faut connaître les composants d'une batterie. Alors, je vais vous citer ça clairement. Après, vous aurez le temps pour vos TP personnels. Vous allez voir. Pour ceux qui connaissent, ça va. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, pour vos TP personnels, vous allez voir les composants d'une batterie, c'est quoi? Parce que tu dois connaître le son, le nom de la chose que tu veux, traiter. Par exemple, ici, vous voyez notre batterie a combien de composants? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 composants. Un peu comme le frère Clint avait dit, entre 8 et 11. 10 composants. Vous voyez, ça, on appelle ça la grosse caisse. Puis quand on va avancer, je vous donnerai les termes en anglais parce que c'est plus l'anglais qui est utilisé.
Mais aujourd'hui, on va rester en français pour ne pas vous faire péter les crânes, mes frères et mes sœurs. Surtout qu'aujourd'hui, la formation, elle est plus pratique. Elle est moins théorique et plus pratique pour ne pas que vous ayez à mémoriser trop de termes. Ça, c'est la grosse caisse. Pourquoi? Parce que bah, elle est simplement grosse. C'est une caisse en forme arrondie et elle est grosse. Dans la grosse caisse, c'est ce qui fait boum, 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 boum. Vous allez l'écouter. Là, les quatre là que vous voyez, on les appelle les tomes, T-O-M. Donc, il y a tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Chacun peut l'appeler comme il veut, mais il s'appelle tome. Peut le renommer comme il veut. Celui que vous voyez là au milieu, celui-ci, c'est la caisse claire. C'est lui, c'est parmi les éléments principaux. C'est lui qui bat le, il donne plus un sens au rythme. C'est la caisse claire. Ça, c'est la grosse. Ça, c'est la claire. C'est aussi une caisse, mais elle est claire. Elle joue un peu de façon claire. Les métaux que vous voyez là, eux, ce sont les cymbales. On distingue crash, ride, mais aujourd'hui, on ne va pas voir ça. Ce sont les cymbales. Et celui qui est petit là, celui qui est là, celui que vous voyez là, que j'ai mis en celui qui est là, il s'appelle Charleston. Charleston, il s'ouvre, il se ferme, il a une pédale. Ça, c'est les composants d'une batterie. À part la batterie, par exemple, le reste, une voix, ça reste une voix. Une guitare, vous connaissez, vous savez c'est quoi une guitare. Un piano, vous savez c'est quoi un piano. Voilà, donc voilà. Alors, je vais vous mettre kit percussion parce que ce sont les deux, c'est la batterie et la percussion qui ont plusieurs composants. Voilà, là vous voyez, ouf, kit percussion, il y en a plein. Hein. Il y a des kits percussion comme ça. Donc, vous verrez par exemple là, le kit percussion qui est là, il a les maracas, ça on les appelle les maracas. Ça, c'est les tambourins, les tambourines. Il y a plusieurs choses. Hein. Il y a plusieurs choses. Il y a d'autres, je ne connais même pas le nom. Ça, c'est le triangle, si je ne me trompe pas. Oui, il y a plusieurs. Il y a aussi deux formes de maracas ici. Il y a plusieurs. Il y a même d'autres. Il y en a plein. C'est tout un monde. Aujourd'hui, on va utiliser, dans notre mix d'aujourd'hui, on va utiliser juste un instrument de percussion et un seul accessoire de percussion, le maracas, celui qui est là ou l'autre qui est là, qui fait tchik, 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 tchik. Donc c'est juste là qu'on va utiliser, c'est tout. On va pas aujourd'hui se bourrer beaucoup de choses. Et tu as les congas, hein, qui sont les instruments de percussion les plus utilisés, quoi. Vous voyez, donc si je fais congas, c'est nous, voilà, ils sont là. On peut les, moi je les ai appelés tam tam aujourd'hui, mais vraiment on les appelle le congas. Donc c'est eux qui jouent comme ça et vous allez les entendre aujourd'hui. Donc voilà, le reste, un piano, ça reste un piano. Ça, je voulais juste vous montrer de l'image pour que ce que vous serez en train de traiter ici, ce que nous serions en train de traiter ici, vous ayez l'image nette de ça pour pas qu'on soit dans de l'abstrait. Je voulais qu'on ait quelque chose de plus concret. Donc, du coup, vous avez vu que notre projet que j'avais sélectionné ici, chaque piste est renommée. Parce que si tu ne nommes pas chaque piste comme on avait dit hier, bah, tu auras mal à la tête. Figure-toi, tu as 31 composants comme ça. Bon, tu sauras quoi? Qui est qui fait quoi? Quels sont fait quoi? Là, tu as mal à la tête, tu te perds. Il faut toujours donner des noms. Vous voyez? Par exemple, A, ici, c'est guitare GTRL, c'est-à-dire guitare L. Guitare qui, je sais que comme il est L, il va aller à droite et à gauche, left. Comme il est R, il va aller à droite. Maracas, c'est lui qui joue. Par exemple, c'est l'accessoire de percussion qu'on a vu là, il joue comme ça, vous voyez, ça c'est lui, voilà, on sait que c'est lui. L'orgue, c'est aussi une autre forme de, c'est comme un piano, c'est une autre forme de clavier, c'est un instrument clavier aussi, lui aussi il joue comme ça, ça son son. Donc on a lui et on a plusieurs composants, le piano bien sûr il est là, donc à chaque fois il faut toujours chercher à savoir ce que tu as comme composant. Et s'il y a un nouveau qui vient, tu sais aussi que voilà, ça c'est un nouveau. La caisse claire, comme je vous avais monté, il est là. Il joue. Voilà, lui il joue. C'est lui qui fait ta. Bon, par exemple, je vous montre la grosse caisse. Il est où? G, grosse caisse. Parce que là, comme on en a 32, il y a plein de monde. Voilà. Lui, c'est le pied. Qui appuie sur la pédale, il est là. Bon, maintenant, est-ce que quand j'ai lancé le son ici, regardez, je lance le son ici de tout le monde. Est-ce que vous entendez même la grosse caisse même?
Est-ce que vous savez même qu'il y a une grosse caisse qui existe ici? Non, parce que, comme je vous avais dit, tant que ce n'est pas encore bien mixé, c'est comme si tu as tous les composants juste dans ta table, comme ça. Tu as l'huile, tu as la farine, tu as tout ça. Tu as des composants pour faire un bon gâteau, pour faire un bon pain, mais c'est encore pas mélangé. Donc, du coup, devant ta boîte, par exemple, ta boîte de lait, il peut se cacher, par exemple, ton petit paquet de farine. Tu ne vas même pas voir. Ah, tu vas dire, oh, non, mais il n'y a pas de farine. Non, la farine, elle est là, mais sauf que y a une boîte devant ça, donc du coup, tu ne peux pas voir. Tu vas voir. Plus tu vas voir quand tu vas maintenant doser tout dans une marmite ou bien dans un saladier ou dans un bon dans un bon récipient, c'est là que plus tu vas doser, plus tu vas mettre plus de farine, un peu d'eau, un peu de sel. C'est comme ça que nous allons faire, comme j'ai dit ici. Donc du coup, vous avez un son. Effectivement, tout le monde a enregistré, tout le monde est présent. Tu vas dire, non, mais toi, je t'avais dit de mettre la grosse caisse, tu ne m'as pas mis. Non, j'ai mis la grosse caisse. Mais sauf que comme ce n'est pas encore bien mixé, la grosse caisse, et pourtant, la pauvre, elle est là, elle est en train de jouer. Si je l'augmente, vous voyez qu'il est là. Si je l'augmente, il est là, mais pff, on n'entend pas. Pourquoi? En fait, c'est ça qui se passe. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut balancer. Alors, moi, je vous conseillerais pour des gros projets comme ça, mais que ce soit même pas pour de gros projets, moi, je vous conseillerais de toujours commencer à balancer les instruments. Pourquoi? Parce que normalement, les instruments accompagnent le chant. Mais ça fait asseoir aussi le chant. Donc, du coup, si vous commencez par bien faire les instruments, quand vous rajouterez le chant, vous aurez moins de problèmes. Vous voyez? Après, d'autres, ça dépend, comme je vous ai dit, tout peut dépendre de goût. D'autres peuvent, eux, peuvent commencer par je ne sais pas quoi, par autre chose, mais moi, je vous conseillerais de commencer d'abord par les instruments. Et quand vous allez commencer par l'instrument, tout le monde m'entend bien. Quand vous allez commencer par l'instrument, les instruments, vous allez voir que les choses vont aller très très bien. Alors, regardez maintenant. Donc, du coup, j'espère que tout le monde me suit très bien. Ok, d'accord. Alors, maintenant, faites-moi signe quand même dans le chat pour que je sache que tout le monde est en train de bien suivre. Surtout qu'au départ, aujourd'hui, on avait eu un petit problème et voilà. Donc, du coup, là, on va commencer maintenant aujourd'hui l'application de notre balance. D'accord? Ok, Omaza dit oui, ça va. Ça rassure. Donc, l'application de notre balance. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Aujourd'hui, la balance, c'est simplement quand le son est en train de jouer là. Vous avez déjà senti la différence, c'est ça la balance. Vous voyez? C'est ça la balance. Mais maintenant, on ne va pas faire ça de façon ramassée comme ça. Ça peut donner facilement mal à la tête. On va ordonner notre projet. Ce que j'appelle projet, c'est ça, hein, c'est toute cette session. On va ordonner notre session. On l'appelle session ou bien projet. Notre chanson. Nous allons bien ordonner ça. Du coup, nous allons ranger chaque catégorie des choses pour que nous sachions que ici nous avons ça, là-bas nous avons ça, ici nous avons ça. On va commencer par exemple par la grosse caisse. Moi je vais commencer par ma batterie. Vous voyez, je l'emmène là. Donc, plus tu l'emmènes là à droite, c'est la même chose, hein. C'est comme si ici aussi, c'est la même chose ici. Donc si tu veux le faire dans le mixage, dans le table de mixage, dans la table de mixage, tu fais. Si tu veux le faire aussi ici, à côté, il n'y a pas de problème. Donc tu prends juste, tu glisses, ça monte, c'est tout. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, moi je vais le faire ici dans la table de mixage. Ne vous effrayez pas de tout ça, c'est rien. Hein. C'est vraiment rien du tout. Je vais faire ça ici. Donc, grosse caisse, je l'ai emmené là. Il est en premier. Caisse claire, je l'emmène là. Charleston, je l'emmène là. Tout, je prends tous les composants de la batterie. Je les emmène là. Je prends les tomes. Tome 1, je sélectionne. Tome 3, tu appuies sur Shift. On avait vu ça hier, hein? Tu appuies juste sur Shift. Shift, c'est
dans ton clavier, c'est le flèche qui va en haut qui nous permet d'écrire en majuscule, c'est tout. C'est juste ça. Donc, tu appuies sur ça, tu appuies sur l'autre aussi. Voilà, donc, du coup, je prends ça, je ramène ça ici. Voilà, donc là, on a quelque chose de plus propre. Allez, basse, toi, va d'abord là-bas. On n'a pas besoin de ça, de toi. D'accord. Donc là, on a grosse caisse, caisse claire, Charleston, cœur 1. Mais cœur, tu viens faire quoi là-bas? Donc, tome 1, tome 2, tome 3, et c'est tout. Il nous manque quoi? Les cymbales. Je vais chercher. Cymbales, il est là, cymbales. Je le cherche, je glisse juste, hein. Je glisse, je le ramène, il est là. Voilà, là on a une batterie complète. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a une batterie qui a 7 éléments. Il y a deux choses aussi qu'on appelle les overheads. Les overheads, c'est simplement les deux micros overhead. En anglais, ça veut dire au-dessus de la tête. Au-delà de la tête, au-dessus, juste. Ce sont les deux micros qu'on met au-dessus de la tête du batteur, au-dessus de la tête de la batterie. Ça prend un peu l'ensemble, mais ça prend plus les cymbales. Donc les overheads sont là. Je les prends. Je les emmène jusqu'après la cymbale. Voilà. Au moins notre batterie a maintenant 9 composants, de 1 à 9. Je vous montrerai plus tard comment, voilà, de 1 à 9, il est là. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose ici. Je vais essayer de le faire. Donc là, attendez, je voulais juste lui donner une coloration. Si j'arrive pas, c'est pas grave. Je le ferai une autre fois. Je vous montrerai comment colorer, comment donner des couleurs pour que vous sachiez que la couleur rouge c'est tel truc, la couleur telle c'est telle chose, la couleur telle c'est telle chose. Ça c'est juste voilà. Non, c'est pas ça, c'est bon. Bon, on le laisse comme ça. Donc là, ma batterie va ici jusqu'ici. Si je le mets en solo, c'est-à-dire je le mets chacun en solo pour que je joue seul, les autres ne jouent pas. Quand on va jouer. Ça, c'est notre batterie qui joue. Vous voyez? Donc là, on a déjà une batterie qui joue. Les choses sont un peu mieux. Je vais me concentrer uniquement sur la batterie, donc. Puisqu'il est en solo, les autres ne sont pas là. Alors, je commence par quoi? Ça, c'est une technique que moi j'utilise et que je vous conseille. Au lieu de vous perdre dans toute chose, sélectionnez tout. C'est-à-dire, vous cliquez là. Vous allez sur Shift. Tout le monde a été sélectionné et ça vous permet de faire ça, de baisser le volume de tout le monde. Tout le monde est à zéro. Comme ça, si je lance play, personne ne joue. Là, je n'aurais pas besoin de mettre les solos, les tout ça, parce que je sais que là, tout le monde est à volume zéro. Donc, je peux enlever mes solos. Je sais que si je lance play, regardez, personne ne joue parce que tout le monde est à volume zéro. C'est comme si tu réduis le volume de ta radio à zéro. Je vais commencer par la grosse caisse. On vient. Voilà, il joue. Voyez, la grosse caisse est en train de jouer, n'est-ce pas? Voilà, j'augmente la caisse claire. J'augmente le charlet. J'augmente les tomes. J'augmente la cymbale. Vous voyez? Là, ils jouent. J'augmente les overheads. Là, ils augmentent tous les bruits. Vous voyez? Comment ils jouent? Là, tout le monde est en train de jouer. Maintenant, je me dis, ok, puisqu'ils sont là, puisque tout le monde est en train de jouer, qu'est-ce que je vais faire? Bon, là par exemple, prenons cette petite partie. Je joue ici. Vous
Oui, Eddie, bonsoir. Il n'y a pas de problème pour la couleur. Aujourd'hui, on ne va pas s'embêter en ça. Aujourd'hui, on va vraiment d'abord voir le contenu technique et la couleur. On verra ça après. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, du coup, là, il y a la batterie qui joue. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que, en fait, eux tous, ils sont en train de jouer, mais tout le monde est au centre. Tout le monde est centré. Et quand c'est comme ça, c'est pas très bien. Tout le monde est au centre. Alors, or, quand on a vu l'image de la batterie, tout n'était pas au centre. Donc, du coup, par rapport à la balance, elle est là. Mais maintenant, par rapport à la panoramique, comme j'avais dit, parce qu'il faut toujours faire la balance et la panoramique ensemble. Je vous avais dit, hier, on a fait la balance des volumes. Ça nous a donné quelque chose, mais quand on a fait la panoramique, vous avez vu la différence. On a dit, bon, toi tu iras l'oreille gauche, toi tu iras l'oreille droite. Regardez maintenant la différence que ça va donner. D'accord? Quand je fais ça, je prends mon tom ici, il va aller là-bas. L'autre va aller là-bas. Il va aller là-bas. Je ne sais pas si vous sentez comment est-ce que ils sont maintenant différenciés. Par exemple, là, ouais. Voilà. Vous voyez donc, du coup, j'ai différencié chacun, j'ai mis chacun dans la panoramique. Alors, il y a des principes dans la panoramique. De la même manière qu'il y a des principes, comme je vous ai montré, comme j'ai commencé déjà à le faire, il y a des principes aussi s'il faut panoramique. C'est-à-dire, c'est pas, on n'est pas en train de faire de la cosmétique ici. Hein. C'est pas pour des raisons cosmétiques, juste pour faire beau. Bon, lui, je peux le mettre à gauche. Bon, lui, je peux le mettre quand même à droite. Ça peut le faire. Non. C'est vrai que tu es libre de faire ce que tu veux, bien sûr, mais il y a aussi des principes. Alors, parmi certains principes, il y a trois types d'écoles. Comme je dis, c'est-à-dire, il y a si je dis école ici, hein, comprenez par école que c'est juste une école, c'est juste voilà les types d'orientation des gens. Hein, les orientations, les goûts, les préférences des gens, c'est juste ça, c'est rien d'autre. Alors, il y a des écoles ici, il y a des types d'écoles. Il y a de ces écoles qui vont vous dire non, vous voyez, moi, j'aimerais normalement, moi, j'aime que on mette ceci. Voilà, vous voyez par exemple cette image de la batterie. Il y a une école qui dit que la batterie, pour mixer ça, il faut faire ceci. Je vais vous montrer ça. La batterie, pour mixer ça, nous avons notre batterie là. Il faut juste respecter cette image. Soit vous faites comme si vous étiez devant la batterie, soit vous faites comme si vous étiez derrière la batterie. C'est-à-dire quoi? Au centre, il y a la grosse caisse. Lui, il est centré. Vous voyez, la panoramique, lui, il est centré. La caisse claire, comme il est un peu légèrement à quoi? À droite, vous le mettez légèrement à droite. Les deux tomes principaux, tome 1 et tome 2, eux, ils sont l'un à droite, l'autre à gauche, vous le mettez. Le tome 3, vous le mettez un peu plus à gauche là-bas, au fond. Et le Charleston, vous le mettez un peu à droite. Vous le mettez à droite comme ça. Et la cymbale, vous le mettez à gauche. S'il y en a deux, vous le mettez comme ça. Vous respectez ça. Et vous gérez ça ici. Vous voyez ici. Donc vous le mettez à gauche. Ça, vous le mettez à droite. L'autre, vous mettez. Donc, pour eux, le seul instrument qui va rester au centre, c'est la grosse caisse. Bon, ça, c'est une école. Il y a une autre école qui te dit, donc, bon, tu peux aller derrière. C'est-à-dire, il y a une autre personne qui va te dire, bon, fais comme si tu étais derrière ça. Donc, derrière, c'est un peu l'inverse. Ce qui vont se retrouver à gauche. À droite seront à gauche, ce qui vont se retrouver à gauche seront à droite. Et toi, tu vas les positionner selon tes deux oreilles. Et la grosse caisse restera toujours au centre. Ça, c'est une école. Maintenant, il y a une autre école dans laquelle moi j'appartiens et que moi je vous conseillerais. Après, vous êtes libre de suivre les deux autres écoles. Mais moi, j'ai toujours utilisé une autre école, une école que je trouve plus sensée selon moi. Dans cette école, ça veut dire quoi? Je respecte un peu tout ce que eux ils disent. Par rapport à la position de la batterie, sauf une chose que moi je ne respecte pas, auquel je n'adhère pas, c'est la caisse claire. La caisse claire, je ne mets pas, je ne mets jamais légèrement à droite ou légèrement à gauche. Moi, je mets la caisse claire et la grosse caisse toujours au centre. Pourquoi? Parce que pour moi, la caisse claire, c'est lui qui tape. C'est lui qui tape, par exemple, tac, 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 c'est lui qui tape qui donne le beat.
il donne plus de sens à notre rythme. Je trouve mal une musique où je suis en train de l'écouter un peu plus à gauche ou bien plus à droite. Ça ne m'intéresse pas, personnellement. Donc moi, je le mets au centre. Et surtout que quand on avait vu les fréquences, on avait dit il y a les fréquences basses, c'est-à-dire les graves, les fréquences hautes, c'est-à-dire les aigus, parce qu'ils chantent aigus. La grosse caisse et la caisse claire ne chantent pas de la même façon, c'est-à-dire ils ne jouent pas sur des mêmes fréquences. Lui, il a trop de basses, il fait pou pou pou, alors que l'autre, il fait ta ta ta. Donc personne ne peut déranger l'autre si on les met ensemble. Vous voyez? Voilà. Alors que la caisse claire, elle est là. Si je la mets. Vous voyez? Donc, comme ils ne sont pas dans la même fréquence, hier on avait dit que les instruments et les chants, ils peuvent jouer dans les mêmes fréquences. Et si tu les mets ensemble, ils peuvent se piétiner. Voilà pourquoi il faut les espacer les uns à gauche, les autres à droite, tout ça. Parce que si tu le mets ensemble, ils vont se piétiner. Ta musique, ça sera comme un bloc et ça ne sera pas beau. Pour ceux qui se rappellent d'hier, hier on l'avait dit bien sûr. Hein, Idover? Hier, je pense que oui, on l'avait dit hier. Donc, il faut savoir les espacer pour laisser la place à chacun. Comme ça, chacun a sa place. Celui qui est au centre, il n'est pas dérangé par les autres. Celui qui est à gauche, il n'est pas dérangé. Celui qui est à droite, il n'est pas dérangé. Voilà pourquoi même on nous donne des pourcentages. C'est-à-dire, même si je mettrais la voix 1 et la voix 2 à gauche, mais la voix 2, je peux le mettre par exemple à 65%. La voix 1, je la mets par exemple à 70%. Au moins, chacun dans la plage de 0 à 100%, il a sa place. Et ça, ça fait respirer la musique. Hier, on a vu le son qu'on avait fait, à la fin, ça a respiré. On avait vu ça hier, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, c'est de la même manière. Donc, on va respecter. Donc, la grosse caisse, on le laisse au centre. La caisse claire aussi, on le laisse au centre. La Charleston, on le met un peu comme il était, comme notre image. On le met un tout petit peu. Même 20 et quelques, même 30 et quelques pourcents. Je le mets à 35%. Je le mets là. À 35%. Là, il était au centre. Je l'ai mis un peu là. Vous sentez qu'il est un peu plus à gauche. Et à droite plutôt. Je le mets là. À 44%. Notre tome. Il est là. Les trois tomes. Celui-ci, je le mets. Comme il était un peu. Je le mets un peu à 49% à gauche. Lui, je le mets un tout petit peu là. À droite. Et lui, je le mets au fond à droite parce que vous vous souvenez, l'autre tome 3, il était vraiment en bas là, derrière. Du coup, ils peuvent jouer. Voilà. Ils peuvent bien jouer maintenant là. Voilà. Voilà. Vous voyez que ça fait tout, 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 tout. C'est des parties dans les oreilles. Déjà, ça fait quelque chose de bon par rapport à ta batterie. Donc, puisque ma batterie est en train de jouer, maintenant là, je peux commencer à rajouter des musiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on ne va pas aller directement vers la basse. On dit bon, on va prendre quel instrument? Il faut aussi savoir, même dans les instruments, il y a des instruments qui jouent des rôles principaux. Des principaux rôles et d'autres qui jouent des rôles un peu à côté, un peu accessoires. Par exemple, vous allez voir le piano, les guitares et tout ça. Et après, vous allez voir d'autres instruments. Ça, ce sont des choses que vous allez acquérir avec le temps. Moi, je vais prendre par exemple le piano. Je l'amène là. Alors, moi, je vous conseillerais là, parce qu'on est dans le live, je le fais directement, mais je vous conseille avant même de commencer à faire la balance. Tant qu'ils sont d'abord tous à zéro, mettez déjà les chants à côté, les voix à côté, les trucs à côté. Vous classez déjà tout. Par exemple, là, je mets mon piano. Je mets l'orgue juste à côté, parce que c'est aussi un clavier. Je vais les chercher. Hein. On va les chercher deux fois loin. Bon, heureusement qu'on ne prend pas un moyen de transport. Je prends la symphonie. La symphonie, c'est tout ce qui ici est les violons, les violoncelles. Je le mets là juste aussi à côté. Comme ils sont à côté du piano, au moins c'est bon. Après, je prends mes guitares. Je prends la guitare gauche et la guitare droite. Je le prends, je les emmène juste après. Je le mets là. Puis on a notre basse. C'est tout. En termes d'instruments, on n'a plus rien. Ah, il y a le saxo qui est là. Ouh, aujourd'hui, on est gâté. On a un projet bien, 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 bien fourni. Je mets les saxos juste avant la basse. Et je mets la basse. C'est tout. Donc, je mets orgue là.
Ok, donc là, il ne me reste plus que la percussion. Bon, on a les deux tam-tams qui sont là et, et le maracas. Je les prends aussi. Je les prends, je les emmène où? Vers la batterie là-bas. Juste après les deux overheads. Ils sont là. Là, je suis en train d'organiser ma session pour pas que quand je vais travailler, que j'ai... Ok, Omad me dit, il faut faire écouter ce qu'il y a dans les overheads. Ok, d'accord. Là, je vais te faire écouter ce qu'il y a dans les overheads vite fait. Donc, je les mets en solo. Écoute ça. Les overheads, si tu veux, ils captent toute la batterie. Mais ils, comme ils sont à côté de... Au fait, ce sont des micros d'ambiance. Ils prennent toute l'ambiance de la batterie, mais en même temps, ils prennent aussi les cymbales. Et quand on va les traiter plus tard, vous verrez que plus tard, quand on va les traiter dans d'autres projets, vous verrez que dans d'autres sessions, plus on va avancer, vous verrez qu'on peut même supprimer les sons des basses un tout petit peu. On peut même supprimer les sons que nous écoutons là-bas pour ne garder que les cymbales. Tout dépend. Il y a d'autres qui peuvent tout laisser. Aujourd'hui, on va tout laisser. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est les overheads. C'est les micro-ambiance qu'on a mis, les deux, dans la batterie. On les appelle un peu comme ça, mais c'est, le but, c'est pas, voilà, c'est pas des vrais micros d'ambiance. Mais voilà. C'est un peu ça. Donc, du coup, là, toute notre musique s'arrête là, à la basse. Comme maintenant, on a fini la basse, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant là, je vois la voix principale, je l'emmène là. Et après, on a cœur 1, cœur 2, cœur 3. Bon, vous laissez chacun comme vous voulez. Vous allez classer comme vous voulez selon les voix. Il n'y a pas de problème. Le reste, c'est des cœurs. Donc, on se retrouve au centre, la voix principale. À droite, j'ai des cœurs. Et à gauche, j'ai mes instruments. Là, j'ai quand même quelque chose de plus sensé. J'ai une session qui est plus organisée, mieux organisée déjà. Vous verrez que plus tard, quand on va encore les colorer, on aura quelque chose de beau. Et voilà. Donc, c'est un peu plus sensé. Du coup, c'est notre batterie qui jouait. Je vais commencer maintenant à rajouter des instruments. On va d'abord commencer par faire jouer notre batterie et rajouter les instruments de, les accessoires de percussion. Je vais l'emmener à comme la Charlet, elle est à droite, elle je vais l'emmener à gauche. Voilà. Et après, on a nos deux tam-tam, nos deux congas. Là, ils jouent ensemble, mais je ne vais pas les laisser comme ça. Je vais mettre un à gauche, l'autre à droite. De préférence au même pourcentage pour que... Voilà. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Un qui joue un peu à gauche et l'autre qui joue à droite. Vous voyez? Toujours important. Là, on a quelque chose de qui a plus un sens. Alors, je peux par exemple écouter, tu n'es pas obligé de tout écouter tout le temps. Je peux par exemple écouter la maracas avec le Charleston, par exemple. Voilà, je sais que celui-ci, il est à gauche. Celui-ci, il est à droite pour pas qu'il se dérange. Je gère le niveau de ma maracas par rapport à la Charleston. Pourquoi? Parce que eux tous, ils sont presque les mêmes sons. Alors, je veux pas qu'il y ait trop ce son-là, je les gère les deux. Vous voyez? Vous voyez ça? Ah, Josué a dit la fluidité, c'est magnifique. Vous voyez? Donc, du coup, les deux, ils se gèrent. Je sais que, bon, voilà, mes deux petites insectes qui font les sons, ils sont un peu bien gérés. Je peux les laisser comme ça. Voilà. Quand vous voyez rouge, c'est la saturation. On verra ça plus tard. Donc là, je sélectionne. Comme ça commence à mettre rouge dans tout ce qui est rouge, vous savez, le feu rouge, tout ça, c'est pas trop bien. Tant que c'est vert, c'est bien. Bon, après, je baisse un peu tout le monde.
pour que ça nous donne quelque chose qui a un sens. Allez, jouez! Comme ça, on n'a pas des rouges, quoi. Voilà. Donc là, on a quelque chose de bon. On a une batterie et on a tout ce que notre batteur a fait. Et la personne qui a... Voilà, donc on a le travail, la batterie et la percussion. Maintenant, on va s'attaquer aux musiques. On lance. Et là. Kevin Garcia, le charlet ne devait pas être à gauche, peu importe, tu peux mettre à gauche tout comme tu peux mettre à droite. J'avais expliqué ici, il y a deux positions, soit c'est comme si tu es devant la batterie. Si tu te tiens devant la batterie, le charlet est à droite. Si tu te mets derrière la batterie, tu vois, une vraie batterie, quand tu es en face de la vraie batterie, le charlet est toujours à droite, n'est-ce pas? Mais quand tu te mets derrière la batterie, c'est-à-dire au dos du batteur, le charlet est à gauche. Donc, tout dépend de toi. Si tu mets, moi, souvent, quand je travaille, je mets le charlet à gauche, mais tu peux le mettre à droite, il n'y a pas de problème. Tu es libre. C'est libre. Tant que ça respecte l'architecture d'une batterie, c'est bon. Le reste, c'est pas. Là, on a notre piano. Le piano, il peut rester au centre, mais moi, souvent, je le mets légèrement à gauche ou à droite. Très légèrement. Il est là. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans les traitements. On est juste là. Après, comme il est piano, je peux par exemple le mettre là et j'essaye de le balancer avec ses amis claviers. Mais ça ne suffit pas. Attention, même si tu le balances avec ses amis claviers, que ça sonne bien, il faut toujours écouter la balance dans l'ensemble parce qu'il peut sonner bien par rapport au volume du piano. Mais quand tu le lances ensemble, ils sont absorbés par rapport au volume d'autres personnes, d'autres instruments. Donc là, par exemple, il est là en train de jouer. Je mets ça. Et donc, là, je vais mettre. Je ne sais pas pourquoi j'ai deux orgues. Je vais supprimer un. Ça ne sert à rien. J'ai un seul, ça va. Orgue, un seul, c'est bon. Je vais l'appeler orgue. Voilà, c'est bon, c'est tout. Là, on a la symphonie. Je dis, bon, d'accord, pour mon compte, l'orgue, je vais le mettre à droite, à gauche. La symphonie, je vais le mettre à droite. Allez, écoutez ça. Voilà. Ouais. Ils jouent ensemble. Par rapport au piano, oui, ça va. Mais après, je dis non. Je le laisse maintenant jouer avec la batterie. Allez, vas-y. Et je gère toujours le volume de chacun pour pas qu'il y ait qui sont plus salés ou plus sucrés ou il y a plus de tomates. Ou y a... Non, il faut toujours jouer. Après, je vais ajouter mes guitares. Et ça, ce sont mes guitares. J'ai deux guitares. Parce que moi, j'aime bien jouer deux guitares acoustiques. Qu'est-ce que je vais faire avec mes guitares acoustiques? Va là-bas. Toi, va là-bas. Ouais, ils se complètent. J'espère que ça fait quelque chose d'un peu plus beau que si on les avait laissés au centre. Donc la panoramique est toujours très importante. Vous voyez ça? Donc, toujours important. Alors là. Je le mets avec les autres. Hein.
le saxo, comme il y a juste une petite partition de saxo, je vais le pousser là. Allez, on y va. Pour rester au centre, c'est pas un problème, hein? À moins que quand la voix est en train, quand il est en train de jouer, que la voix est en train de chanter, là tu peux le mettre à part parce que ils peuvent être dans les mêmes fréquences, ou alors carrément il peut déranger le celui qui joue la, celui qui chante la voix principale. Mais sinon, quand par exemple là il joue seul, il n'y a pas encore la voix, tu peux le laisser au centre, il n'y a pas de problème. Donc pour notre cas, on va le laisser au centre. C'est vrai que là nous avons quelque chose de beaucoup plus sensé que ce qu'on avait avant, de façon brute. Ouais. Ça, je joue sur la balance, le volume et la panoramique, le mettre à gauche ou le mettre à droite. Toujours important. Et après, maintenant, le big boss, c'est la basse. On a des sons bruts que déjà avec la balance et la panoramique, on a un sens. Après, on verra le traitement de chacun, comment mettre les effets, tout ça après. Mais vous voyez déjà que là, on a une musique qui a plus de sens. C'est mieux que tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, on a quelque chose qui a un sens, on sait qui fait quoi. Qui joue à quoi. C'est pas comme on avait tout à l'heure, on avait juste des voix qui chantaient. Donc la balance, c'est important. Alors là, ouais, la balance. Le dosage de la basse et tout ça, je vous montrerai ça quand on rentrera dans le traitement. Là, pour l'instant, on voit vraiment la balance. Voilà. Là, j'ai fini mes instruments, je mets la voix principale. Alors, je rappelle, non, je ne rappelle pas, je vous donne un principe important. Des instruments à ne jamais mettre à gauche ni à droite. Je vous dis ne jamais. Après, ça dépendra des arrangements. Il y a de ces arrangements où ils peuvent accessoirement aller à gauche, aller à droite. C'est, ça fait comme des effets. Mais de façon générale, c'est, retenez bien, la grosse caisse, la basse. Et la voix principale. Ces trois-là ne doivent pas bouger. Ils restent au centre. Parce que ça n'aura simplement pas de sens où tu écoutes une musique comme ça. Écoutez. Est-ce que ça a un sens là? Tu écoutes la basse avec une seule oreille, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc ce qui est mieux, c'est vraiment qu'il soit au centre. Quand c'est centré, c'est bien. Gloire, gloire, à Yeshua l'agneau. Gloire. Là, du coup, le gloire à Yeshua l'agneau. Gloire, ça a un sens. À Yeshua l'agneau. Maintenant, on se dit, bon, les chœurs. Les chœurs aussi, comme les instruments, moi, je vous conseille de toujours les gérer à part. Ils sont à part. On les traite à part et c'est important. Par exemple, là, j'essaie d'abord de les sélectionner et les écouter ensemble, seuls, pour voir si ils jouent déjà comment de façon brute. Je le mets en solo. Jouer. Gloire. Ah, mes soeurs chantent bien. Mais après, ça ne suffit pas. Parce que là, vous verrez la différence quand on va les départir à gauche et à droite. Là, ils jouent comme un bloc. C'est bien, mais c'est comme s'ils se piétinaient. Ils ne sont pas libres. Alors que là, maintenant, si je me dis, je prends celui-ci, je le mets en solo.
Voilà, maintenant j'épargne tous ceux qui chantent soprano, machin, tout ça. Voilà, moi je vais aller juste pour avoir un petit sens. Après, ça dépend de toi, tout dépend des musiciens. Il dit, ouais, mettez le soprano, machin. Souvent, souvent. Voilà. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Donc, je mets celui-ci à gauche, celui-ci à droite. Ça prend plus ma tête que quand c'était avant. Après, je prends les deux autres voix. Je gère en même temps leur volume. Vous voyez ça? Là, j'équilibre un peu. Toujours à gauche et toujours à droite. Mais que là, on a quelque chose qui a plus un sens. Vous avez l'impression qu'ils entourent votre tête et ils sont en train de chanter dans votre tête. Parce que vous avez des casques pour ceux qui ont des casques. On a quelque chose de beaucoup plus ouvert. Vous voyez ça? Et du coup, là, on n'a même pas mis d'effet. Donc, du coup, je peux les sélectionner. Je clique ici Shift. Je clique au dernier. Et je sais maintenant comment j'enlève le solo et comment maintenant je l'emmène juste en bas. Là, ça garde les mêmes réglages. Et là, maintenant, je sais comment augmenter ça. Je lance ma musique avec la voix principale. Gloire, et je l'augmente un tout petit peu. Gloire, une fois que j'ai fait ceci, là j'ai quelque chose qui a plus de forme. Mais après, vous vous souvenez que les instruments, je les avais gérés avec la basse, et plutôt avec la batterie. Mais avant de le gérer avec la batterie, par exemple, les claviers, je les avais gérés juste avec le piano. Donc, ce qui fait que quand les autres viennent, ils dominent les autres, les autres les dominent. Les voix, je viens de les traiter seules. La batterie, je l'avais traitée seule. Une fois que j'ai fini toute la balance et la panoramique, maintenant je dois voir la balance générale parce qu'il y a des choses tellement qu'on les avait gérées seules, quand ils sont venus avec les autres, il y a des conflits entre eux. Il faut maintenant voir, il y en a qui dominent les autres, c'est par rapport aux fréquences. Et là maintenant, je lance ma musique. Gloire, et maintenant je vais gérer. Gloire, je remonte un peu la grosse caisse, la caisse claire. Gloire, J'augmente un peu la symphonie. Gloire, gloire à Yeshua l'agneau. Gloire, je le ramène un peu au centre. Gloire à Yeshua l'agneau. Le piano, on l'entend plus, je l'augmente un peu. Là, maintenant, je vais sortir l'orgue. Voyez qu'avec l'avènement des voix, il y a des instruments qui étaient bien quand ils jouaient seuls. Quand il y a l'avènement des voix, ils sont absorbés. Donc, savoir maintenant à la fin les mettre encore en valeur. Parce que sinon, tu vas dire, ouais, mais moi, j'avais bien balancé. Quand tu vas écouter dans la voiture, tu vas écouter dans ton téléphone ou tu as envoyé une personne qui te dit, non, mais il fallait augmenter celui-ci parce que c'est trop bas. Oui, parce que toi, tu as dit, j'ai fini le travail, c'est bon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Une fois que tu as fini tout le travail,
de panoramique et des balances, il faut toujours écouter le niveau général. Tu écoutes comment est-ce que ça sort généralement. Tu fais ça? Gloire, gloire, là, on écoute les paroles. Et vous le verrez encore plus quand on travaillera au niveau des fréquences. Une autre manière encore d'écouter, c'est de l'écouter à volume très bas. Vous le baissez et vous écoutez qui à volume très bas va sonner et qui à volume très bas ne va pas sonner. C'est toujours important pour que votre musique ait un sens. Moi, je l'utilise depuis des années, beaucoup d'années. Et ça va faire bientôt plus de, ça va faire bientôt 9 ans que je l'utilise. Et c'est efficace. Je lance la musique comme ça et je baisse. Quand je baisse ma musique, je veux que les éléments importants soient écoutés. La grosse caisse, la caisse claire. Je veux que le lead soit écouté. Si je voulais un peu de guitare, j'augmente. Là, j'ai l'aperçu de ma musique à volume très bas et quand j'augmente. Reçois la gloire, oh gloire, à Yeshua l'agneau. Maintenant, au niveau au niveau du cœur, je peux aussi toucher d'autres voix. Quand tu mets solo, ça te permet d'écouter. Quelque chose qui était brut, frère, sœur, vous voyez que ça nous donne quelque chose de très bon. Et ça, quand tu sors ça, c'est ça, en fait, faire le mixage. Donc, du coup, quand tu finis comme ça, tu te dis, OK, c'est bien, ça sonne bien dans mes casques, ça sonne bien dans mes enceintes, mais il ne suffit pas que ça sonne bien dans tes casques, c'est très bien. Mais ça, n'oublie pas que ce sont des casques faits pour faire de la musique. Donc, du coup, prends ça, tu sors ça en MP3, on le verra plus tard. Tu sors ça, soit en MP3, soit tu sors ça en WAV, tu peux le mettre même en MP3 ou tu peux le garder en WAV. Tu vas l'écouter comme tout le monde l'écoutera, avec un téléphone, dans une voiture si c'est possible, avec ta radio à la maison, ou voilà, avec quelque chose qui sonne d'habitude. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu essayes un peu de comparer avec... avec d'autres musiques, mais attention, ne compare pas avec d'autres musiques parce que là, tu es en train de comparer une pâte avec un pain de jacquouille. D'autres musiques ont été masterisées, ont été déjà mises dans le four. Toi, tu as juste une pâte qui est compacte. Mais bon, tu essayes quand même pour avoir ne serait-ce qu'une idée, pour t'améliorer quand même. Mais ne compare jamais un son masterisé à un son mixé pour dire que oui, je veux obtenir ça. Non, tu vas détruire ton mix. Donc, le mix a certaines limitations et le mastering va le mettre dans le four, va le faire gonfler, va lui donner sa texture, sa couleur et toutes ces choses. Aujourd'hui, quand tu achètes une pâte de pain, un pain plutôt pré-cuit, je ne sais pas, nous ici en France chez Lidl, il n'a pas la même texture qu'une vraie baguette. Et il faut le mettre dans le four, tout ça, il y aura la même couleur que la baguette, il y aura le goût qui va avec toutes ces choses. Donc déjà, hier on a vu quelque chose qui était un peu moindre, c'était juste une voix. Et c'était juste une voix et une voix principale, trois voix, chœur je pense et un piano. Aujourd'hui on a vu tout un ensemble avec la batterie, tout ce qui va avec. Donc prends le temps, si tu as le temps dans la semaine, parce que le rendez-vous est pris maintenant pour le week-end prochain. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser la place aux questions. Le week-end prochain, donc le samedi et le dimanche, si le Seigneur ne revient pas et si le Seigneur nous prête force. Vraiment priez beaucoup pour moi, pour nous. Et voilà, donc du coup... Et là, déjà dans la semaine, tu peux t'exercer comme ça avec des petits sons que tu peux avoir. Savoir déjà comment balancer, comment mixer. Tu enregistres un petit son, il y a un petit piano ou bien il y a une petite guitare. Tu peux dire, oh, frère, mets-moi la guitare, mets-moi le piano, mets-moi ceci. Voilà, tu prends ça, tu l'emmènes sur Reaper, un peu comme on a fait hier.
sur WhatsApp, tu l'amènes sur Reaper, tu essayes de t'amuser. Amusez-vous. La maîtrise vient dans la pratique, frère, sœur. Tu peux beau assister à sa messe. Si demain tu ne pratiques pas, ça ne sera pas une bonne chose. Il faut toujours pratiquer. C'est dans la pratique que tu exerceras aussi ton oreille. Ton oreille deviendra de plus en plus tranchante. Et tu vas exercer ton oreille, tu vas exercer ton oreille, tu vas exercer ton oreille. Vous voyez? Donc là, je vous avais énoncé des principes. Les principes, j'avais dit, dans la panoramique, il ne faut pas bouger la grosse caisse, il ne faut pas bouger la basse, il ne faut pas bouger la voix principale. Tu ne mets ni à gauche ni à droite. À part pour des cas exceptionnels qu'on verra, des cas vraiment très exceptionnels, ça arrive. Mais sinon, de façon générale, tu ne bouges pas. Il reste comme tel. Et la caisse claire, comme moi j'ai dit, la caisse claire aussi, puisque moi, dans mon école, en fait, selon mon orientation, la caisse claire reste au milieu aussi. Tu ne bouges pas aussi la caisse claire. Du coup, si tu vas dans cette orientation, tu bouges, tu laisses la caisse claire, la grosse caisse, tu laisses la basse et la voix principale. Il n'y a que les quatre, nos quatre amis là qui ne bougent pas. Le reste des instruments et de voix, qui qu'il soit, qui qu'elle soit, doit bouger. Tout le monde doit bouger, tout le monde doit laisser la place. Parce que si tu ne bouges pas, par exemple, ta voix sera étouffée par d'autres. Alors que si tu libères la place, tu le mets à gauche, à droite, tu vois que ça libère la place à ta voix et on écoute tout. Je ne sais pas si vous avez des sons que vous écoutez de fois, vous avez du mal à écouter ce que le lead dit. De fois, vous avez du mal à écouter ce que les chœurs chantent, souvent. Il y a des sons comme ça, oui, il y a un problème. C'est vrai qu'il y a aussi des problèmes qui interviennent au niveau du mastering qui peut faire ça. Mais au niveau de mix, déjà, il faut vraiment que le son joue de manière assez claire pour que ça soit perçu. N'oublions pas que le message doit être compris, plutôt compris dans la langue même où il a été, la langue qu'on a utilisée. Donc, c'est toujours important, frère, sœur. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de notre cours d'aujourd'hui. Donc on a vu la balance et on a vu la panoramique. Donc voilà, donc c'est vraiment important de faire ça. Donc prenez le temps de vous exercer et ça ira. Bon, on laisse quelques minutes pour des questions s'il y en a et après on va conclure. On va plutôt se séparer. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je laisse, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de saisir des questions. S'il n'y a pas de question, c'est que tout est parfait, tout est bien compris, ou tout doit aussi, on doit aussi apprendre le temps d'écouter, il n'y a pas de problème. Donc là, je laisse un peu de temps, puisque je le suis en différé, pour voir s'il y a des questions. Vous pouvez écrire vos questions pendant que je lance un peu le son, vous pouvez écrire les questions, il n'y a pas de problème. Il y a Eddie qui demande comment faire pour savoir quel instrument doit être au-dessus de l'autre. Est-ce prédéfini ou bien c'est aléatoire du genre selon le chant? D'abord, je te dirais que c'est aléatoire selon les chants et selon les styles. Donc, reste plus attentif à celui qui t'emmène le chant à traiter. Si c'est ton propre chant, reste plus attentif à ce que tu veux obtenir à la fin. Il y a de ce chant, il y a de ces styles, par exemple, vous voyez par exemple le gospel américain, tout ça, les styles un peu plus urbains, ils ont tendance à mettre plus en valeur les pianos, le grand piano aussi, à part la batterie, bien sûr. Il y a d'autres, ils ont tendance à mettre la guitare, par exemple la musique, tu vois, par exemple au Gabon ou bien au Congo RDC, ou, voilà, il y a certaines musiques qui mettent plus la guitare, d'autres c'est la guitare solo. Et il y a dans d'autres, c'est plus la basse. Par exemple, les musiques électroniques, c'est plus la basse. En fait, tout dépend du style utilisé. Tout dépend aussi de la personne qui t'emmène le chant à faire ou bien si c'est toi-même. Donc, tout dépend de ce que l'on veut. De ce que l'on veut. Par exemple, moi, ici, je n'ai pas besoin d'un piano de... Excusez-moi le terme, comme on dit en France, un piano de ouf. Donc, vous voyez, le piano, il est là, il fait partie de la musique, mais on ne l'écoute pas en train de... Comme on l'écouterait, par exemple, dans un autre son. Parce que moi, ici... par exemple, dans le mix d'aujourd'hui, j'ai voulu juste que le piano fasse partie de la musique. Et il y a les guitares qui sont là, mais voilà. Mais par exemple, le saxo, je l'ai mis, vous l'avez écouté, je l'ai mis en exergue. Il a plus, pourquoi? Parce que c'est un instrument solo, j'ai voulu qu'on entende, regardez.
Donc c'est vraiment ça. Donc tout dépend de ce que tu veux obtenir. Donc c'est un peu ça. Ah, gloire à Dieu. Josué a dit en si peu de temps, il a appris personnellement, il a appris beaucoup de choses. Bah, c'est ça le but, que le Seigneur vraiment soit béni. Ça montre que le Seigneur est en train d'atteindre son objectif, dans ses objectifs avec cette chaîne. Le but, c'est de vous expliquer les choses dans la façon la plus simple. C'est de la technique, mais d'être moins technique et moins théorique, de manière à ce que chacun fasse les choses très bien. C'est vraiment ça le but. Il y a Kevin Garcia, je crois que c'est Stéphane, qui dit « J'entends beaucoup la mise à plat, est-ce cela le mixage ?» Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent mise à plat. Excusez-moi, mais moi, dans la technique, je ne suis pas très, très francophone. Je suis un peu plus anglophone. Dans le francophone, dans le milieu francophone, ils ont des termes, des ingénieurs de son par exemple francophones, ils auront des termes que forcément moi j'utiliserai pas, et moi je vais avoir par exemple des termes que eux forcément n'utiliseraient. Tout dépend. Ça je sais pas, la mise à plat, qu'est-ce qu'ils appellent mise à plat, je sais pas. En tout cas, essaye de voir les gens qui disent mise à plat, essaye de leur demander ou essaye de voir ça sur internet, mais je ne sais pas trop. Déjà c'est un terme que moi j'utilise pas, donc voilà un peu. Le mixage, comme on a dit, le mixage, c'est le mélange. On a expliqué, si vraiment tu prends le temps de suivre, tu verras que le mixage, on avait dit, Kevin Garcia, le mixage, c'est le mélange et un bon dosage. On mélange tout ensemble, tous les composants de la musique, et on fait un bon dosage. C'est ça, le mixage. Et le mastering, c'est la partie finale. On va standardiser ça. C'est comme notre pâte qu'on va mettre dans le four pour que ça ait une bonne forme. C'est plus ça, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de saisir. On laisse un tout petit peu quelques temps et puis on va conclure. Ne vous inquiétez pas, dans la vidéo, quand je vais mettre, parce que le direct c'est différent dans la vidéo, je vais couper la partie du début. Vous voyez la partie quand on commence, quand on attendait que les autres se connectent là, quand on attendait que le frère et les soeurs se connectent, vu qu'aujourd'hui on avait eu un petit problème au départ avec YouTube. YouTube a interrompu le lancement de... Comme ça, le lancement du live. Donc voilà, on va couper ça. Je mettrai directement là où on a commencé. Donc ça permet à la vidéo d'être bien consommable. Je crois que là, au niveau des questions, c'est bon. Donc au niveau des balances, est-ce que vous avez vraiment compris? Donc la gloire au Seigneur. Là, on a vu tout ce qui est balance et tout ce qui est panoramique. Donc, important, jouez sur ça, jouez sur la panoramique, jouez sur la balance. Ne mettez pas les choses à 100% ou à 90% directement à gauche ou à droite. Non, parce que plus tu mets quelque chose à gauche, plus la chose va sonner. Plus tu mets quelque chose à droite, plus la chose va sonner. Ah, ça, je crois que c'est mon frère Dean. Ça, c'est très bien, ça. Dean, c'est toi? Ah, ça, c'est bien, en tout cas. Donc, du coup, ne mets pas les choses à fond à droite, ne mets pas les choses à fond à gauche. Plus tu le mets à gauche, ça aura plus de volume. Plus tu le mets à droite, ça aura plus de volume. Mais il faut gérer. Par exemple, là, vous avez vu, moi, pour mon compte, j'ai mis les deux guitares à plus de 90%. Pourquoi? Parce que je veux que les deux guitares s'entendent. Et là, quand on écoute... Le seul, par exemple, le piano, tout ça, non. Le piano, je pouvais le laisser au centre, mais j'aime pas le laisser au centre. Bon, déjà ici, Formosa, les guitares, tu les entends pas. Tu ne les entends pas. Pourquoi? Voilà, les guitares, par exemple, tu ne les entends pas parce que tu verras que leur signal, bon, je l'ai un peu enregistré comme ça. Leur signal, il est très bas. Je peux augmenter leur signal, il n'y a pas de problème. Tu verras que leur signal, regarde les guitares, par exemple. Tu vois, c'est très bas. Alors que le saxo, il a plus de contenu. Mais lui, son gain est très, 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 très bas.
Voilà, donc lui, son gain est très 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 bas. Bon, juste pour t'aider à comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, attendez, je vais juste mettre des effets. Je vais l'augmenter un peu, mais ça fera partie du prochain. Ça fera juste partie de nos prochains travails. Ne vous laissez même pas impressionner par tout ça, c'est rien du tout. Vous voyez, c'est rien du tout. Je vais juste un peu l'augmenter. Comme j'ai augmenté leur niveau, donc comme je les ai mis à gauche et à droite, je les ai mis à 80 combien? Je vais voir déjà. 95, 95. Donc du coup, j'avais vraiment besoin de faire ressortir les guitares, par exemple. Tout dépend. Comme une autre personne va dire non, 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 moi je veux que les guitares restent juste compactes dans la musique, mais je veux par exemple que l'orgue, parce que par exemple quelqu'un dit non, non, moi je veux plus d'orgue. Donc c'est un peu ça. Il y a le frère Omad qui dit le niveau de la voix lead doit toujours être au-dessus des chœurs. Ou pas forcément, oui, ça dépend des très bonnes questions. Ça dépend des arrangements, mais de façon générale, oui, le lead d'ailleurs, d'où son nom lead, c'est-à-dire c'est un leader, c'est celui qui conduit. Donc, la voix lead doit être toujours au-dessus des chœurs. Voilà pourquoi j'ai commencé par gérer d'abord la voix lead, par balancer d'abord la voix lead, la voix principale, c'est ça la voix lead. Et après, je gère maintenant le chœur. En groupe. Gloire, tu sais le gérer en groupe par rapport gloire, au cœur. Oui. Il mérite la gloire. Il doit être au-dessus parce que là, par exemple, quand il dit il mérite, on doit, c'est lui qui donne les tons, c'est lui qui dirige un peu. Vous voyez, donc c'est toujours ça. À part, par exemple, dans certains cas où on a des grands chœurs. Et on met le lead un peu au niveau. On ne veut pas que le lead soit trop dominant. Il n'y a pas de souci. Ça arrive. Par exemple, je fais ça. Gloire à Yoshua l'agneau. Je veux juste qu'il soit là. Gloire. Mais qu'il fasse partie un peu des chœurs. Vous voyez? Gloire à Yoshua l'agneau. Il mérite. Gloire. Gloire. Ça arrive. Oui, mais de façon générale, en tout cas, de façon générale, le lead toujours doit être au-dessus des chœurs. Au-dessus des chœurs. Et le lead doit être entendu de tout le monde. C'est-à-dire que quand tu baisses ta musique, par exemple. Quand tu baisses ta musique, par exemple. Je baisse, je vais baisser l'orgue. Quand tu baisses, par exemple, tu vois, par exemple, je vous avais parlé du test. Donc, quand tu fais le test, tu mets à très bas volume. Il faut écouter ma voix principale. Donc là, au moins, je sais que voilà, même si je l'augmente. Voilà, il y a cet
Stéphane qui a dit, oui, le son de la guitare est plus clair et on l'entend. Oui, là, on verra demain avec les effets, comment changer, comment voilà, et on verra. Et l'une des choses aussi, dans le signal, quand vous faites un signal, un bon signal dans l'enregistrement, il faut toujours que le signal soit un peu, voyez, ça c'est un peu plus épais, soit ait un volume, pas de façon à déborder, non, mais ait un volume quand même raisonnable, c'est toujours important. Pour pas qu'on se retrouve, par exemple, avec les deux guitares qu'on a, vous voyez, ça c'est trop fin. On s'est retrouvé avec deux guitares, j'ai été obligé de rajouter de l'effet pour un EQ, le gain dans l'EQ pour augmenter ça. Mais bon, tout ça, ça va se gérer, on va le voir. Donc voilà. Shadrack a dit oui, juste aussi ajouter que c'est le lead qui doit le plus présenter le message, d'où la nécessité d'augmenter son volume. Oui, bien sûr. Mais maintenant, il faut seulement bien le gérer. C'est aussi important ce que tu dis. Mais maintenant, c'est toujours important de bien le gérer pour pas qu'il gêne aussi tout le monde. Parce qu'un lead très dominant, ça gêne. Hein, qui est trop dominant, on l'entend plus, ça gêne. Et il faut aussi voir, donc, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, la sauce est un peu, elle est trop faite à l'américaine. Donc, les gens chantent par exemple, gloire, le leader, il va, je ne sais où. Ouais! Donc, du coup, avec des vocalistes bizarres. Et de fois, on ne se concentre plus sur le message central. Par exemple, pour ce chant, le message, c'est gloire à Yeshua l'agneau. Donc, je ne vois pas pourquoi le lead, il peut mettre des commentaires, oui, mais on peut le gérer aussi. Si tu te retrouves dans un live ou bien avec les frères et les sœurs, tout ça, avec un tel chant, par exemple, où le message principal, c'est gloire à l'agneau, à Yeshua l'agneau, et le lead, il est trop bavard, bah, tu peux le gérer aussi. Hein, tu peux le gérer, tu le mets à un volume très raisonnable, soit au même niveau que le cœur, soit tu le baisses un tout petit peu, soit tu le gères. On verra comment gérer pour pas que son lead dérange trop le message aussi principal. Parce que de fois, il y a des personnes... il y a des cœurs, moi, de fois, quand c'est trop de leads bavards, de fois, c'est insupportable aussi. Hein, il faut vraiment que les choses soient dans la limite du supportable. Le lead, c'est bien, ça doit parler, mais ce n'est pas le message principal. Le message principal, c'est ce qui est dans le refrain. Mais ça, c'est autre chose. Donc, du coup, il faut voir. Maintenant, tout ça, c'est à discuter. Si c'est tes propres projets, c'est selon que tu veux. Si c'est des projets des frères et des sœurs aussi, c'est selon qu'ils veulent. Donc, il faut toujours discuter avec les autres, faire écouter tes sons à d'autres personnes. Qu'est-ce que tu en penses? Ils peuvent te dire, non, augmente un peu tout ça. Donc, tout dépend. Hein? Tu écoutes, tu discutes, tu l'écoutes à part et voilà. Donc, c'est un peu dans ça. Bon, on laisse 5 ou 10 minutes, puis on va arrêter. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de saisir les questions. Donc, dans 5 ou 10 minutes, comme ça, on arrête. On bénit vraiment le Seigneur pour ces lives. Je m'excuse auprès des frères et des sœurs qui s'attendait à se loguer dans le lien qu'on avait envoyé. YouTube nous a fait une surprise alors que tout allait normalement bien. Une surprise de dernière minute. Bon, c'est pas grave. Donc là, je crois que c'est bon. Donc le week-end prochain, si le Seigneur permet... Si le Seigneur permet, on va maintenant voir les effets d'insert. Un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Comment mettre les effets, comment traiter un son, une voix, un instrument. Mettre des effets, on va commencer, on verra, je ferai le plan. On va commencer comment égaliser, comment mettre les compressions, comment mettre toutes ces choses, comment mettre vraiment des effets pour traiter, pour avoir. Parce que là, on a eu du brut. C'est simplement parce qu'on l'a bien balancer et la panoramique, ça donnait quelque chose de bon. Mais là, vous verrez que quand on mettra des effets, mes frères et mes sœurs, ça n'aura rien à voir. Alors, rien, mais rien à voir. Donc, comment mettre des effets, comment insérer, et plus tard, on verra des effets dans vos voix. Et une fois qu'on finit les quatre là, frère, franchement, déjà, tu peux te dire, bah, ok, là, c'est bon. Et après, le dernier, c'est ce qui te manquera, et c'est ça qui fait, c'est la touche pimentée qui fait la différence avec les autres. C'est vraiment cette touche pimentée qui fait la différence avec les autres. Donc, je crois qu'au niveau des questions, c'est tout. Voilà, je crois qu'au niveau des questions, il n'y a pas grand-chose. On avait dit 10 minutes. Bon, on va quand même respecter la parole. Donc là, je ne sais plus, on va aller jusqu'à 55 ou limite 59 et on va s'arrêter. Comment vous trouvez? Est-ce que vous trouvez vraiment que les cours sont je ne vais pas très rapide? Est-ce que c'est compréhensible? N'hésitez pas de me dire si c'est dur, si je vais vite, si je fais... Bon, après, si tu as raté le cours précédent, c'est vrai que tu peux avoir des difficultés. Mais si tu n'as pas raté les cours précédents, si tu suis bien,
Raison pour laquelle, voilà, donc, au fait, si tu suis bien, et il faut aussi profiter de cet avantage qu'on vous laisse toute la semaine, donc si tu as le temps de suivre, tu peux, si tu suis très 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 bien, tu peux, si tu n'as pas, par exemple, tu as un problème de temps, par exemple, une vidéo de 1h30, tu te dis, bon, d'accord, je vais suivre les premières 40 minutes, ou bien les premières 30 minutes, tu suis les 30 minutes, tu notes là où tu t'étais limité. Après, quand tu reviens, tu prends les autres 30 minutes, et quand tu reviens, tu finis les minutes restantes. Tu peux faire ça. Ça te permet de bien, aussi, tu ne trouves vraiment pas 1 heure ou 1h30 à te mettre devant une vidéo. YouTube, pendant la semaine, je sais qu'il y en a qui travaillent, la famille, l'école, qui peuvent avoir l'école et tout ça. Donc, voilà un peu par rapport à ça. Et là, on va avancer. Donc, bon, je crois qu'en tout cas, c'est bon. S'il y avait quelqu'un qui avait écrit, les cours sont très bien expliqués. Ok, merci beaucoup, Formosa, c'est encourageant. Je crois que c'est bon. Je crois que. Bon, je crois que nos 10 minutes, on va plus attendre ça. C'est bon. Est-ce qu'il y a un numéro qui vous envoie les. Je voulais juste avoir vos réactions à chaud. Est-ce qu'il y a un numéro? Parce que on a créé un groupe de diffusion WhatsApp. Est-ce qu'il y a un numéro WhatsApp inconnu comme ça, un numéro que tu n'avais pas forcément, qui t'envoie les liens et qui te dit que le live est à telle heure, tout ça, qui t'envoie des liens à YouTube, tout ça, qui te. Est-ce que ça nous arrive? Parce que moi. Je voudrais m'assurer que ça arrive comme ça me permet d'envoyer à plusieurs personnes. Du coup, si tu as des questions, tu peux le poser directement à ce numéro-là. Si tu as une question. Ok. Ok, non, juste mes messages. Ok, donc je vais voir un peu au niveau du groupe de diffusion là parce que on l'a fait, mais c'est comme si WhatsApp ne marche pas forcément. On va voir ça. Non, pas du tout. Du coup, hier, j'ai eu la notification trop tard. Ok, d'accord. Je suis aussi dit non. D'accord. Donc, je vois que le groupe de diffusion ne marche pas trop. Alors, ce que moi, je vous conseillerais, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que chaque samedi. Ok, Stéphane n'a pas de numéro WhatsApp. Ce que je vous conseillerais, c'est que chaque samedi matin. Ou alors déjà vers 10h, 11h, tu fais un petit tour, tu regardes tes WhatsApp ou tu regardes tes mails. Parce que normalement, les notifications WhatsApp viennent directement dans ton téléphone ou bien viennent dans tes mails. Dans tes mails, je crois que c'est dans, je ne sais pas dans quoi, mais ça vient dans tes mails. Tu regardes tes mails chaque samedi, chaque dimanche matin. Au moins, mettons 11h, parce que donnez-moi aussi faites-moi le faveur de faire une grasse matinée quand même quand je peux. Donc, on va dire déjà 10h. 10h ou même 11h, moi je ferai de mieux pour lancer ça déjà le matin. 10h ou 11h, tu regardes dans ton téléphone si déjà, excusez-moi, si déjà tu as une notification par rapport au direct. Ok, au Gabon, il dit c'est bon, ils sont notifiés pour la plupart. Ok, gloire au Seigneur. Donc c'est un peu ça, tu regardes, mais je vais voir si vraiment le Seigneur, après avec le boulot, c'est pas évident, mais si vraiment le Seigneur permet, je lancerai les lives. La veille soir, par exemple, je lance la notification, je lance l'alerte YouTube, la notification YouTube, par exemple, le soir du vendredi, pour celui du samedi. Comme ça, le soir du samedi aussi, je lance la notification YouTube pour celui de dimanche. Comme ça, vous avez la notification, vous avez la notification un peu plus tard. Et vous regardez aussi dans vos mails. Et plus on va avancer, on va améliorer ça. Je dois trouver un autre système. Si vraiment je trouve un bon autre système au-delà du groupe de diffusion WhatsApp, parce que le groupe de diffusion WhatsApp, à des personnes ça arrive, et à d'autres personnes ça n'arrive pas. Après, je dois vérifier si j'ai le numéro aussi de tout le monde dans ce groupe de diffusion. Mais le mieux, c'est vraiment ça, les notifications WhatsApp. Je vous ai dit ceci. Regardez. Les notifications WhatsApp, j'avais dit. Quand tu vas par exemple sur WhatsApp, tu as quelque chose sur WhatsApp, tu peux aller dans, par exemple, je fais YouTube, tu peux aller dans quelque chose, une vidéo par exemple, apprenant, vous voyez, par exemple là il y a le direct apprenant pour Adonai, YouTube. tu peux aller dans. Non, je coupe le son. Donc là vous voyez par exemple, tu viens. Bon, moi je suis déjà, moi je suis par exemple ici, c'est déjà la même chaîne. Mais pour d'autres chaînes, tu vas dans notifier, il y a toujours une cloche à côté. Tu cliques sur la cloche, ou bien tu cliques droit sur la cloche et tu fais toutes, donc toutes les notifications. C'est toujours important, hein, de faire toutes les notifications. Je vais vous montrer ça
Par exemple ici. Je fais ça par exemple, vous voyez, je ne suis pas abonné. Tu fais t'abonner, s'abonner. Quand tu as fait t'abonner, il y a toujours ça. Même si tu es déjà abonné, il y a toujours ça. Donc tu viens ici, tu cliques, tu fais dans toutes. Parce que si tu ne fais pas dans toutes, tu n'auras pas toutes les notifications. Tu vas dans toutes. Là, quand je fais toutes, vous recevrez toutes les notifications. Là, maintenant, je reçois toutes les notifications. Bon, je vais me désabonner. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire et ça fera que tu auras des notifications. Donc, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Que vraiment le Seigneur soit béni pour le live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été très utile. Et si vous vous appliquez les principes, comme j'ai dit, les principes que nous faisons, nous travaillons sur Reaper, mais il n'y aura pas que Reaper. Ça ne s'applique pas qu'à Reaper. Tu peux l'appliquer dans n'importe quel FL Studio, Logic, Pro Tools, GarageBand, tout ce que tu veux. Même, je crois, même Audacity, les principes restent les mêmes. Et ce sont les principes de base qui se valent pour tout. Ce sont les principes même que même les ingénieurs de son, pas audio numérique, mais en salle, ils utilisent ça. Ils font la balance, la panoramique, ils mettent des effets d'envoi. Et voilà. Et nous, on créera des automations et toutes ces choses. Donc, restez vraiment bénis. Je bénis le Seigneur pour la présence des frères et des sœurs qui ont été en direct et d'autres qui n'ont peut-être pas eu le temps ou pas eu la notification, mais qui suivent. Je vois des nombres de vues dans des vidéos. Waouh, que le Seigneur vraiment soit béni. Soutenez-nous dans la prière pour ce travail parce que des fois ça peut ne pas être évident. Et on se dit à samedi prochain, heure 17h toujours. Jusque-là, on ne va pas modifier le temps. Ça dépendra. Après, on verra s'il y a besoin de modification, on modifiera. Mais sinon, à samedi prochain à 17h. Comme prévu, et dimanche prochain aussi à 17h si le Seigneur ne revient pas. Donc, merci beaucoup. Excellente soirée à tout le monde. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.